Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision enregistrée beaucoup trop tôt. Marc Attala est le directeur du musée d'ailleurs à Yverdon. En parallèle, il enseigne aussi la littérature française à l'université de Lausanne. Bonjour tout le monde. Je donne des cours, donc qui sont des cours un peu, on va dire, peu canoniques, puisque je donne des cours sur les jeux vidéo, sur les super-héros, sur la science-fiction. J'ai choisi de prendre comme objectif ma casquette. D'abord, on a eu peur des robots, après, on a eu peur de Terminator, après, on a eu peur des cyborgs, après, on a eu peur des chimères, puis maintenant, on a peur des drones. Et ce qui va être intéressant dans la science-fiction, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi en tant qu'individu si j'ai mon clone? J'ai envie de dire, je m'inspire au bol, dans le sens où il n'y a pas vraiment de planification réfléchie, structurée, un petit plan quinquennal comme ça. Alors, un musée, c'est une sorte de grosse machine qui n'a pas vraiment de direction. C'est presque un discours un peu marxiste que vous tenez là, Marc Attala. J'enlève ma casquette avec des gens qui, c'est un peu bête, mais qui me voient à nu, en fait. Mesdames et messieurs, Marc Attala. Marc, alors que je rêve de m'adresser à vous comme à un enfant qui a un peu trop joué avec ses petites figurines désarticulées, voilà que je me souviens au moment d'écrire ce portrait que vous collectionnez autant de paplards universitaires que moi de cheveux blancs. Un master de physique théorique et un autre de lettres avec un mémoire en philo et une thèse en littérature. Un chercheur en SF, merde, ça le fait quand on est depuis 2011 l'homme sandwich de la maison d'ailleurs. Le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains. Depuis 5 ans, vous offrez quotidiennement aux Kidam la possibilité d'envisager leur existence à travers l'imaginaire, mais aussi d'expliquer le monde, l'analyser et leur rendre chaque jour un peu plus comestible. Oui, parce qu'une bande de robots, ce ne sont pas seulement des tas de ferrailles pour les geeks qui cherchent à s'occuper sur leur canapé entre deux épisodes de Star Wars. Non, pour vous, les robots sont une métaphore de l'humanité. Et même qu'on comprend pas tout à fait quand vous expliquez que votre thèse cherchait à comprendre comment on pouvait réunir un ensemble de textes hétérogènes dans une catégorie opératoire et de construire une poétique s'appuyant sur une herméneutique afin d'inspecter la pragmatique d'un genre littéraire. Bref, une tête bien remplie et bien réelle qui parvient à rendre des sujets de niche accessibles au grand public. Une tête bien remplie coiffée d'une casquette qui cache mal votre sensibilité. Si jamais, Fred, je suis assez pudique sur ma vie privée, que vous m'avez balancée en regardant l'émission précédente. Marc, promis, on ne vous demandera pas combien d'orgasmes vous avez eu ces dernières 24 heures. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir, Marc. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Bon alors, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces différentes descriptions? J'ai de la peine à vous dire ce que je retiens comme ça. J'ai une tête bien ça... pleine, moi c'est ce que je retiens. Une intelligence C'est un peu difficile, c'est ma vie, donc j'ai pas l'impression d'avoir une tête plus pleine que quelqu'un d'autre. J'ai juste l'impression d'avoir profité de ce que la vie me proposait et puis d'avoir su prendre les choses quand elles étaient là. Puis c'est vrai que j'ai toujours été un mec assez curieux depuis, depuis mon enfance. Donc ce qui fait que quand j'étais étudiant, j'avais envie d'apprendre plein de trucs, puis... Apprendre plein de trucs, c'est souvent être au-delà d'une seule faculté. Alors, j'ai trouvé drôle de faire plusieurs choses. Et puis... On vous a regardé un peu bizarrement en disant, mais en fait, il fait tout, quoi. Il fait de la physique, il fait des lettres. Enfin, est-ce que vous a regardé un peu bizarrement? Quand j'étais étudiant? Ouais. Genre un peu, c'est l'éternel glandeur. Il y a un côté un peu extraterrestre, la science-fiction avant l'heure, quand j'étais étudiant, parce qu'en fait, quand j'étais en fac de lettres, les gens trouvaient marrant et bizarre que je fasse de la physique. Puis quand j'étais en physique, les gens trouvaient bizarre que je veuille me divertir à faire des lettres. Et j'avoue que... Alors, j'ai passé des années universitaires assez tendues en termes d'horaire. Hein, c'était quand même... Il fallait le faire. Mais aujourd'hui, je suis ultra content parce que j'ai jamais réussi à me restreindre. Encore aujourd'hui, je peux lire autant de romans de science-fiction un peu de bas étage ou de la haute littérature que de lire un essai de philo, que de m'intéresser à ce qui sort en... Vous êtes un vrai science. Curieux. Ouais, j'ai la peine à m'imaginer autrement, ouais. Bienvenue alors chez nous. Je suis ravi. Marc, parlons de science-fiction parce qu'on est en plein... c'est très trendy en ce moment de parler de ce qui va se passer dans le futur. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement ces auteurs de science-fiction
étaient des futurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des futurologues? Alors, à mon avis, pas, dans le sens où, pour moi, un écrivain, par exemple, si on prend vraiment le cas de la littérature, un écrivain, il part toujours de ce qu'il connaît. Quelqu'un qui écrit une histoire d'amour, bah, il parle de l'amour tel qu'il le conçoit ou des différentes possibilités d'aimer. Et puis, il va voir ce qui pourrait être raconté de nouveau. Puis, un écrivain de science-fiction, il fait à peu de choses près à ça. Il parle de l'état connu de la science. Sauf que pour donner des espèces de tensions un peu plus importantes, c'est-à-dire que le récit soit plus intéressant que ce qu'il y a autour de nous, bah, on va l'extrapoler. Ce sont des exemples que je prends assez simples. C'est, je peux, n'importe qui d'entre nous le fait fréquemment, en disant « Ah ben, je pense que dans 10 ou 15 ans, les progrès de la médecine feront que telle maladie sera guérie. » On peut le faire sans être un écrivain de science-fiction. Mais ce que va faire un écrivain de science-fiction, c'est qu'il fait exactement ça, sauf que plutôt que de dire juste une phrase qui va s'arrêter, il va en fait raconter une histoire. Il va l'imaginer. Et il va se dire « Mais pourquoi aujourd'hui, en 2016, est-ce que la plupart des Européens, par exemple, sont convaincus que dans 15 ans, il va y avoir des progrès technologiques suffisants pour que les maladies soient guéries. » Et je pense que c'est ça la force d'un écrivain de science-fiction, c'est il pose des questions à travers la fiction, voilà, il pose des questions qui sont des questions d'actualité, les nôtres, mais pour qu'elles deviennent peut-être plus aiguisées ou peut-être même des fois plus exagérées, plus extrêmes, alors il va imaginer le futur. Donc je pense que les écrivains de science-fiction sont des gens qui ont une vision très spécifique du présent. Mais pour que cette vision spécifique, elle soit plus forte, plus exagérée, plus peut-être prégnante, ils vont prendre le détour du futur. Oui, mais donc c'est vraiment le savoir mettre en image de manière complètement fantastique ce cheminement jusqu'au futur. C'est ça, être un auteur scientifique. Oui, mais c'est que ce qui est regardé, c'est le présent. Le futurologue, il va regarder le futur, il va dire qu'est-ce qu'on aura. On ne sait pas si dans 15 ans, les développements technologiques auront modifié la longévité ou notre rapport aux maladies. Mais comme on l'imagine aujourd'hui, on peut s'interroger sur les raisons qui font qu'on imagine ça, etc., etc. Et puis les problèmes, vous voyez, un des problèmes de base qui fait une sorte de micro-histoire, c'est imaginons que toutes les maladies soient guéries. Bon, on est déjà un peu, on se pose des questions au niveau de la surpopulation, qu'est-ce qui va se passer? Et automatiquement, on va mettre un monde en disant imaginons qu'il n'y ait plus de maladies, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et puis on vient inspecter non pas tant ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on n'en sait rien, mais plus ce qui est sous-jacent à nos réflexions, à nos imaginaires, à nos espoirs. Et c'est plus ça en fait. On veut confier tout aux machines, imaginons que tout soit confié aux machines. Terminator. On n'a jamais fait ça. Il n'y a jamais des Terminators qui vont nous arriver puis qui vont nous balancer des trucs dessus. Mais dans notre raisonnement ou dans notre imaginaire, il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé. Eh ben, c'est ça qui est exploré par les écrivains de science. Alors, Marc, vous parlez des machines. On parle beaucoup d'automatisation. Hein. 2020, on nous dit qu'en 2020, 5 millions d'emplois seront perdus et que c'est surtout les domaines, non plus que les domaines de l'industrie et les ouvriers, mais aussi les emplois peu qualifiés. On parle même de l'idée qu'il n'y aura peut-être plus d'avocats d'ici là. Selon vous, qu'est-ce qui va faire que l'être humain sera toujours plus fort que la machine ? Parce que nous, on ne peut pas être débranchés. je pense que la question est intéressante parce qu'à mon avis, c'est plutôt son présupposé qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on pense aujourd'hui, ce qui n'a été pas du tout le cas pendant des siècles et des siècles, que l'être humain puisse être dépassé par sa propre création, donc la machine? Je ne dis pas qu'il faut revenir au 18e ou au 17e siècle où on pensait que l'être humain était le sommet de l'évolution et puis que rien ne pourra le dépasser, parce que ça serait un peu gonflé de dire ça aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis la fin du XXe siècle, ou depuis les années 50, comme par hasard après la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui de manière encore plus prégnante, on arrive à avoir des raisonnements qui sont du style « l'être humain, il ne vaut pas plus qu'un animal, il ne vaut pas plus qu'une machine, il ne vaut pas plus qu'un software informatique, et donc il peut être dépassé par l'animal, dépassé par la machine, dépassé par le logiciel. » Et c'est plutôt cette espèce d'auto-flagellation humaine en permanence qui m'intéresse, plus que de savoir ce qui se passera en 2025. 2030, un manque de confiance, selon vous ? Est-ce qu'on n'a pas assez confiance dans nos capacités pour se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? L'autoflagellation vient du fait que... Bon, déjà, il y a un truc un peu judo-chrétien avec l'autoflagellation. On reste quand même dans une situation judo-chrétienne, qu'on accepte ou non, mais c'est un fait. L'importance de la littérature, l'importance du spirituel, l'importance de la création, la question de est-ce que je remplace Dieu, etc., sont quand même des grandes traditions judo-chrétiennes qui ont amené les bonnes choses. Hein. Je parle plutôt de l'aspect négatif. Donc, on reste dans ce monde-là, déjà. Puis d'autre part, il y a eu ce qu'on appelle les blessures narcissiques. Hein. L'être humain n'est pas au centre du cosmos, l'inconscient est plus important que le conscient, etc. Ce qui fait qu'on passe notre temps un peu à...
C'est comme... C'est comme, bon, moi, je suis papa, et j'arrête pas de dire... Si j'arrêtais pas de dire à mon fils, t'es pas assez bien, machin, lui, il est mieux, etc., bon, ben, faut pas que je m'étonne qu'à 20 ans, il est complètement névrosé, le gars. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on entend depuis très longtemps. Et cette espèce de puissance de l'humanité, ayons confiance, soyons altruistes, qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Vous voyez, l'autre, bah, Lausanne, on le sait bien, l'autre, vous êtes dans un bus, quelqu'un s'assoit à côté de vous, commence à baliser, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il s'assoit là, etc. Ces questions-là me paraissent plus intéressantes. C'est comme si on n'avait plus confiance dans le rapport humain. Et je pense que ça, alors c'est un peu compliqué, mais ça, c'est géré par énormément de choses. On parlait avant de l'information. L'information nous fait peur parce qu'on nous montre que les choses qui sont dangereuses et pas les choses positives. Le monde économique est quand même pas ultra marrant. Le monde politique qui n'a plus aucune idée. Le monde culturel qui prend toujours les mêmes gars pour faire les mêmes expos. Où est-ce qu'on va? Et l'humanité, elle n'a plus de souffle. Et j'ai l'impression que c'est ce souffle-là qui redonne confiance. Hein. Où est-ce qu'on va? Et hop, on serre les coudes pour y aller. Et moi, j'ai l'impression que depuis une centaine d'années, à part évidemment certaines personnes un peu dissidentes, on n'entend plus tellement ça. Alors, comment vous voulez avoir confiance en vous? Alors, ça tombe bien parce que je passe à autre chose, Marc. Nous avons quelqu'un de totalement dissident, hors norme chez nous. Il s'appelle Toufik. On le retrouve dans Toufik to Fail. Tiens, Toufik, ton petit café. Oh, c'est cool, Alain, merci beaucoup. Tu le veux avec du sucre, du lait? Non, juste une noisette, s'il te plaît. Une noisette? Ouais. Tiens. Merci. Voilà. Je suis dans la merde. Dis-moi. Faut que tu me dépannes parce que tu sais que, en plus de faire de la télé, je fais de la danse. Ouais. Enfin, j'essaie de faire de la danse. Il faut que tu donnes le cours à ma place, là, parce que moi, je peux pas le donner. Attends, mais là, c'est impossible. Tu es au courant que je fais pas du tout de danse. Tu te démerdes. Tu fais un cours, tu sais pas, t'improvises. Pourquoi la danse, c'est quoi? Ça fait maintenant 5 ans que je suis professeur de danse. J'ai commencé avec des enfants, mais depuis une malencontreuse affaire, je ne peux plus travailler avec les enfants maintenant. Apprendre le twerk à des enfants de 6 ans, finalement, c'est pas top. Hein. Je me prépare tout seul, hein. Si ça ne vous dérange pas, pour l'instant, parlez entre vous, faites vos choses. Expulse le démon. Tu l'as, ma grosse bite. Tu l'as dans... Oh, pardon. C'était un petit plaisir personnel aux toilettes que j'ai pas oublié de fermer la page. Oh. 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 Donc ça va être l'échauffement du chat. The cat training. Et on lève les pieds et on fait comme ça. Et je vais entendre des petits miaou. Allez-y, miaou. Position 3 quarts, 1 neuvième, 6 tiers. Matrix. On va faire le chat heureux. The cat happy. Oh, ça me gratte la jambe. Ça consiste en quoi? Vous vous roulez par terre. Oh, mais l'autre jambe me gratte aussi. Discutons de vous 30 secondes. Et ça permet de travailler the knees, les coudes. Marc, les réseaux sociaux, j'imagine que ça fait partie de votre quotidien. Oui, c'est un peu... Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas mal. Ouais. Alors, quelqu'un chez nous est allé fouiller un petit peu sur votre mur. Ce soir, je me prends le mur de Marc Atala. Sur Facebook, vous avez 1429 amis virtuels. Au-delà de tout ce qui peut concerner de près ou de loin votre activité, vous aimez les jobs d'enfer, l'ambassade suisse au Japon, la BCV, Bicurious TV, le bureau fédéral helvétique des super-héros, les centres thermaux, le club Paradis, Fluide Glacial, le futur dans ta tronche, Hey, Lego, Pichon Voyageur, Queen, Rire, les Suisses Colline Baff, le trèfle gourmand, ceux qui viennent d'Yverdon, Yverdon Sport et bim! Quand vous accueillez un photographe, tout le monde se fout de Batman, mais ça ne vous empêche pas de faire la paix avec lui au moment de l'apéro. Pour prouver que vous avez plusieurs casquettes professionnelles
visuelle, vous enfilez la même ici, 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 ici et ici, on pourrait presque vous envier quand vous rencontrez une star moitié homme, moitié has-been. Vous savez prendre les gens en photo, mais aussi les compter sans vous tromper. Vous êtes accro au voyage dans le temps, mais aussi à la notion de timing quand il s'agit de faire de la promo. C'est mercredi, c'est dans 2 semaines, c'est jusqu'au 31 janvier, c'est dans 3 heures, c'est dans 9 jours, c'est ce samedi, c'est le 6 janvier, c'était aujourd'hui, c'est jeudi soir, c'est ce soir, c'est demain, c'est drôle. Et mon arrivée sur le plateau, c'est dans 2 secondes. Alors en attendant Fred qui nous rejoint, Marc, combien de fois par jour vous allez sur votre compte Facebook? Je pense une dizaine de fois. J'ai un compte Facebook particulier, comme on a pu le voir, parce que je le vois vraiment d'un point de vue professionnel. Ah voilà, Fred qui arrive. Bonsoir Fred. Bonsoir Leïla, Marc. Ça va? L'idée de faire ça si tôt, franchement. Oui, ben voilà. Nous avons une vie de famille, nous devons... Je vous ai manqué quand même un petit peu. Un petit peu. Ouais. Alors moi, je me suis, avant d'être en retard, je me suis promené sur les réseaux sociaux, évidemment, sur vos réseaux sociaux. Et vous faites énormément de promos pour ce qui va arriver, pour ce que vous faites. Par contre, il n'y a absolument rien sur vous. Alors, vous m'avez dit avant l'émission aussi, attention, je suis très pudique, mais il n'y a aucune... montrer absolument rien de ce qui peut vous plaire au-delà de ce qui se passe autour de la maison d'ailleurs. C'est un vœu. C'est vraiment, c'est pas vous, mais vous êtes le directeur sur Facebook. Ouais, déjà c'est un vœu parce que je suis quelqu'un de très pudique et très introverti, bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, en termes personnels, je parle pas tant que ça. C'est une dernière des choses qui faisait que ma femme, au début que je la connaissais, trouvait ça bizarre. Elle a l'impression que c'était contre elle, alors qu'en fait c'était pour elle, mais il fallait un peu de temps pour qu'on puisse mettre ça en place. Je suis pas trop dans le show-off en tant qu'individu. En tant que directeur de la maison d'ailleurs, c'est ma fonction. Mon but, c'est d'amener, de faire des choses que je trouve intéressantes, que je trouve inédites, novatrices, et puis de dire aux gens, bah, ça existe. En même temps, c'est la fonction, mais c'est aussi l'homme. C'est l'homme qui fait que tout d'un coup, la maison d'ailleurs est devenue quelque chose de prépondérant. Donc ouais. C'est l'homme qui aide aussi à faire que tout ça fonctionne. Il n'y avait pas une envie de rendre ça peut-être un peu plus humain, non? Ouais, non. Enfin oui, je ne sais pas comment répondre ça. Mais c'est le cas quand vous faites, quand vous êtes dans le musée et que vous devez expliquer ce que vous faites et ce qu'il y aura, vous le faites avec une aura incroyable. Oui, mais je suis très dans l'interaction directe. Moi, j'ai des origines orientales, mon père vient du Liban, et j'ai un peu cette impression que dans le contact, beaucoup de choses passent. On se parle, il y a des émotions, il y a de la gestuelle, il y a, voilà, tout ça. Ouais. Après, réseau social, c'est, voilà, sur Facebook, je dis, ah, bah, je sais pas, j'aime bien ce truc. Mais vous n'avez pas interagi avec les gens? Sur les réseaux sociaux? Non, j'aime pas trop ça. Donc, il ne faut pas vous écrire. Non, mais c'est que je réponds, mais j'ai à disposition des émoticônes, je ne sais jamais trop ce qu'ils veulent dire. Donc, des fois, je fais des trucs qui sont faux. Donc, bon. Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est quand j'écris sur Facebook, les rares fois où ça m'arrive, dès que je peux appeler quelqu'un ou dès qu'on propose d'appeler, ben, je suis tout de suite partant parce que je trouve que, pour moi, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de geste, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de chaleur humaine, il n'y a rien. Donc, comment est-ce que je peux être humain, c'est-à-dire montrer cette humanité sur un truc où tout ce qui fait qu'on est des humains n'existe pas, si ce n'est une image. Ouais. Pour moi, il y a un... Alors que quand je fais une visite guidée dans les musées, ben, je parle avec les gens. Si je suis sur un plateau de télé, je parle avec les gens. Enfin, vous êtes là. Sur Facebook, je ne sais pas, j'ai écrit un truc à quelqu'un qui a une photo de profil qui ne bouge pas, ce qui donc arrive jamais dans la vie. Et puis, je suis censé lui dire un truc super bien. Ouais. Mais comment je peux m'enthousiasmer si en face de moi, j'ai... une case avec... dans le cadre de votre travail, au-delà de votre personnalité, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer un peu plus l'interactivité, vous qui vous demandez un petit peu comment ça va se passer dans le futur, nouvelles technologies, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer peut-être un peu plus avec ces réseaux? Donc sur les réseaux? Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'ai jamais pensé à ça de comme demander ça. Faire en sorte que cette communauté qui est grande quand même, hein, pour maison d'ailleurs, qu'elle soit active en fait. Bon, ben, déjà, on a une page maison d'ailleurs, donc... qui est pour moi au-delà de moi, en fait. Géré par quelqu'un d'autre. Qui est géré par la responsable com du musée, okay. Qui fait des fois de l'interactivité, hein, qui marche plus ou moins bien. Si on dit qu'est-ce que vous aimeriez comme expo, alors là, on a un bon panel sociologique. Les zombies, ça marche bien ces temps. Et de nouveau, j'ai de la peine. Avant, quand j'ai été la première fois sur Facebook, j'étais au Canada, j'avais lancé ce truc-là, je trouvais assez marrant. Puis dès que j'ai repris le musée, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve moi aussi une séparation. Parce que comme je suis quelqu'un de très passionné et très dentier, j'aurais pu commencer un peu à surinvestir le truc.
Et puis, bah, j'ai pas envie de ça. Ce que vous faites, par contre, dans les médias, parce que moi, je me suis amusé juste avant l'émission aussi de voir un tout petit peu pourquoi et pour qui on vous demandait l'avis. Alors, rapidement, 24 heures, vous a demandé des choses pour Retour vers le futur anniversaire. Star Wars, c'était le matin. Le futur tout court, c'était Migros Magazine. Solar Impulse, c'était la RTS et pour vous, c'était de la com. On vous demande aussi votre avis sur la vie sexuelle et sentimentale des robots, ça c'était le temps. Et puis l'invasion des zombies, comme vous dites, c'était le matin, c'était un petit peu la conséquence en Suisse si on était envahi par les zombies. Ah mais c'est donc quoi, on vous voit comme un futurologue, hein, comme je disais. On associe science-fiction à... Mais c'est quoi en fait, est-ce que vous savez trop de choses ou est-ce que c'est les médias finalement qui sont peut-être un tout petit peu... un peu paresseux, c'est-à-dire bon, bah, de toute façon pour tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas tout à fait réelles, on va le voir lui quoi. Bon, j'aurais de la peine à parler pour les médias eux-mêmes, mais vous dites jamais non. J'ai jamais dit non. Je dirais non à quelque chose qui me qui est intrusif, par exemple, ou qui me paraît problématique par rapport à ma propre intégrité. Parler de zombies, ça me fait marrer. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est que en fait, je pense qu'un temps, on me voyait un peu comme un futurologue, mais j'ai jamais. Vous pouvez prendre tous les interviews que vous voulez de moi, je ne parle jamais du futur. C'est-à-dire, je reviens tout le temps dans le présent. On me dit, je comprends pas, donc je me dis, à un moment, ils vont comprendre que vous aimez la science-fiction. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi. Ils vous disent, ouais, on fait un avion et dans le futur, ça va aller comme ça. Ben, moi, je dis jamais ça. Je dis, non, le futur, mais le zombie, c'est le consommateur idéal des années 60, puis les robots, c'est l'humain travailleur des années 20. Enfin, je passe mon temps à faire ça et je trouve assez drôle parce que j'ai l'impression, alors, d'un côté peut-être un peu moins marrant, que je trouve absurde qu'on soit entouré de zombies à la télévision, qu'on soit entouré de robots à la télévision dans le monde réel. Enfin, de tout ça, mais qu'on ne sache pas interpréter ces choses-là. Et c'est peut-être quelque chose qui me fait un peu plus peur en tant qu'enseignant, c'est de dire, les zombies aujourd'hui, c'est funky, Walking Dead, tout ça. À la base, c'est une figure contre-culturelle, on attaque les consommateurs qui font que de bouffer, c'est censé être faire un peu comme Molière. Ça me fait peur, ces gens-là. Mmh. Je suis un consommateur, j'ai donc peur de moi, j'arrête d'être un consommateur. Mais et ça n'a pas marché. Ça, c'est ce que vous faites avec les expositions, parce que ce qu'on vous reproche, la seule chose en tout cas qu'on vous reproche, c'est d'être un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que quand il y a les robots, il y en a partout. Quand vous faites quelque chose sur les super-héros, il y a le blockbuster qui sort un peu derrière. Mais par contre, vous utilisez ces figures-là, très populaires pour rameuter les gens, et puis derrière, vous essayez d'expliquer quelque chose qui est peut-être un tout petit peu moins facile. C'est didactique, facile. Une visée didactique. Ouais. Alors, par rapport au côté contemporain, moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, je suis d'accord que je prends des trucs contemporains. Tout comme Dali, par exemple, prenait les questions de la psychanalyse freudienne, qui était ultra contemporaine. Mm. Bon, alors, si mon modèle, c'est Dali, je vais continuer à venir puiser dans ce que le temps d'aujourd'hui nous donne. Ouais. Et le temps d'aujourd'hui nous dit quoi? Il dit, vous, il faut que vous soyez un super-héros. Vous ne pouvez pas juste être un bon animateur TV, ou un bon mari, ou un bon papa, ou un bon ce que vous voulez. Ouais. Vous êtes tout ça. Alors je dis, bon, super-héros, ça marche bien. Puis vous allez dire, j'en ai marre d'être considéré comme une ressource humaine, comme un pur truc qu'on peut gicler n'importe quand. Alors, on a marre d'être un robot. Bon, le robot, alors je ne fais pas grand-chose d'autre que ça. Ouais. Je dis, bah, dans le monde dans lequel on vit, le zombie, c'est le consommateur idéal qui dit, ah, j'aimerais tellement aller voir un film pour me vider la tête. Sous-entendu, ma tête est déjà trop pleine. Et puis, je vais être un peu un animal moyen sur la chaîne en train de manger des pop-corns. Bah, ça m'intéresse. Parce que je vis dans ce monde-là. Et je suis un acteur du monde d'aujourd'hui. Je pourrais faire la science-fiction de la fin du 19e siècle, ce qu'ils font beaucoup en France, comme ils ont la peine à légitimer la culture populaire. Mais est-ce que c'est comme ça que vous expliquez, justement, parce que ce que vous avez réussi à faire, c'est de la com aussi. Ouais. C'est qu'effectivement, à chaque exposition, c'est un événement. Il y a un truc où c'est en une de tous les médias, comme si on n'avait jamais parlé des super-héros, comme si on n'avait jamais parlé. Comment vous faites pour réussir à faire un événement à chaque fois qu'il se passe quelque chose chez vous? Parce que je pense que c'est un peu... les autres musées n'y arrivent pas forcément comme ça. Bah déjà parce que... Alors pour les autres musées, je ne sais pas comment ils le gèrent. Hein. Moi la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à la maison d'ailleurs, il a fallu une année et quelques pour que ça se mette en place, c'est d'engager quelqu'un qui s'occupe de la com. Parce qu'il n'y avait personne qui s'occupait de la com. Donc la première année, c'est moi qui la faisais. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'avais un truc, quoi. On sait que c'est vous, quand même, qui incarnez ça, et je pense qu'il y a quand même... Alors, en termes d'image, oui. Mais alors, pour moi, je dirais, il y a deux recettes de base. C'est, un, il faut que ça soit clair, ce qu'on dit. Et j'essaye de faire en sorte que mes expositions, elles soient claires. On peut aimer ou pas, et je respecte complètement l'appréciation de n'importe qui. Mais au moins, si je dis, c'est une expo qui traite le robot comme une métaphore de l'homme, comme une image de nous-mêmes, si quelqu'un va dans l'expo puis dit, c'est pas du tout ce que j'ai vu, c'est un problème. Et puis, je me cache pas. Je pense que je suis quelqu'un qui me cache pas. Alors, en termes de vie privée, oui, mais
Il y a un côté ultra spontané, comme ça se voit directement. Et voilà, je ne réfléchis pas en termes à quel niveau artistique je me situe. Est-ce que lui, il a fait, ça c'est vachement bien, il faut que je prenne. Il ne faut pas que les gens comprennent. Parce que dans les trucs importants, dans les expos, il ne faut pas trop comprendre. Parce que si vous comprenez trop, c'est que c'est popu. Et si c'est popu, c'est que c'est accessible à la masse. Et ça ne vous distingue pas de la masse. Puis moi, je suis un mec de la masse. Pour moi, voilà, il faut que des expos soient simples et en même temps profondes. Bravo, Marc, bravo. Parce que j'ai envie qu'un enfant, un ado, un adulte, une personne âgée, quand elle vient au musée, il y a en tout cas 4 à 5 niveaux de lecture différents. Et l'idée, c'est un enfant, il va trouver ça beau ou marrant. Un ado, il va chercher un autre truc. Il veut un truc peut-être un peu plus provoque. Et puis, un adulte qui vient avec ses enfants, il veut surtout que ses enfants ne lui cassent pas les oreilles pendant 3 heures. Ouais. Et puis, une personne âgée, elle va chercher autre chose. Puis, quelqu'un qui est fan des musées, autre chose. Bah, mon but, c'est d'essayer de trouver, et ça, c'est la pierre philosophale, c'est de trouver une manière de créer des résonances qui ne sont jamais complètement exprimées, ce n'est pas possible, mais de pouvoir faire suffisamment pour que tout le monde y trouve suffisamment pour continuer la réflexion. Vous avez dit avant, vous ne vous cachez pas, vous êtes vous-même. Juste avant l'émission, on vous a fait passer un petit interrogatoire où on vous a mis dans des personnages plus ou moins célèbres. On regarde. Marc, que feriez-vous si vous étiez président de la Confédération ? Je pense que je proposerais à quelqu'un de prendre ma place. Si vous étiez le patron d'Apple ? J'arrêterai avec ces trucs tous connectés les uns avec les autres. Si vous étiez Céline Dion. Je me serais pas marié avec René. Si vous étiez Darius Rochebain. J'arrêterai de faire des tweets comme il les fait. Si vous étiez un réfugié. Je souffrirais beaucoup. Si vous étiez Leïla de la Rive. Je me préparerais. Si vous étiez le Père Noël. J'essaierais de m'intéresser un peu plus aux adultes qui me semblent avoir un peu perdu leur âme d'enfant. Si vous étiez Christophe Blocher. Je pense que j'aimerais changer de vie. Si vous étiez Brad Pitt. Ça fait longtemps que j'ai fait le deuil d'être Brad Pitt. Si vous étiez François Hollande. J'essaierais peut-être de faire un autre métier. Si vous étiez Bertrand Piccard. Je m'intéresserais au concept de science bling bling. Si vous étiez Barack Obama. Je continuerais à pleurer sur les plateaux. Si vous étiez votre propre assistant. J'en ai pas, donc j'aimerais bien savoir. Vous n'avez pas d'assistant ? Non, pas directement, non. À part la personne qui gère les réseaux sociaux ? Ouais, mais qui n'est pas mon assistant. Toi, en l'occurrence, c'est une femme. Mais à la maison d'ailleurs, on est 9 collaborateurs. Enfin, il y a 8 collaborateurs et moi. Mais il y a chacun personne qui fait votre café ? Ben non. Et des fois, on me propose. Mais vous aimeriez être qui, Marc, si vous aviez le choix un jour de vivre dans la tête ou dans le corps de quelqu'un ? Superman. De quelqu'un d'autre que moi ? Ouais. Ah mais non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Vous n'êtes pas vous qui êtes curieux, vous n'aimeriez pas être dans la tête de quelqu'un. Alors j'ai compris qu'on par exemple, dans ma tête, au moins une semaine. Même 10 minutes dans ma tête par exemple. Alors j'ai compris qu'on pouvait pas être dans la tête d'une femme, c'est pas possible. Même quand on essaie, on se ramasse. Le seul truc qui me ferait bien marrer, c'est de me retrouver dans la tête d'un enfant, d'un nouveau-né, parce que je pense que c'est des gens qui doivent bien flipper. Il n'y a pas rien qui crie tout le temps. Dès qu'on a le langage, finalement, après, ça se ressemble un peu. Mais je pense que la tête de... Enfin, moi, j'ai vu quand mon fils parlait pas encore, je me disais, mais là, on a l'altérité absolue. Les autres, c'est une altérité, mais qui n'est pas absolue. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, ben, je ne sais pas. Voilà. Marc, on a besoin de vous. En tout cas, une créature de l'espace a besoin de vos lumières. Elle vous attend. Spécialiste de la science-fiction, c'est Brianna Lefèvre. De la science-fiction, donc. Bonsoir, Marc Attala. Bonsoir, Brianna. Hello, everyone. En effet. Marc Attala, sur une échelle de 1 à 10, vous situeriez votre geekiness à combien ? Assez peu, 4. C'est pas vraiment beaucoup, hein ? Non, ben, je sais.
Mais est-ce que, comme tout bon geek, alors au niveau 4, on va dire, vous êtes quand même déjà branlé une fois sur un dessin animé pornographique japonais? Alors, pas encore, mais maintenant que vous avez mis cette idée dans ma tête, peut-être qu'on peut y remédier. Je me réjouis pour vous. Moi aussi. Marc Atala, vous et moi, ce soir, nous allons créer un personnage de science-fiction. Vous voyez, comme dans les BD, il y a la partie dessin, quelqu'un qui s'occupe plus de l'aspect physique, et quelqu'un qui s'occupe plus de l'aspect scénario, psychologie du personnage. Félicitations, c'est vous. Et moi, je suis la partie coloriage. Madame, moi, j'ai fait mon travail. Vous êtes prêts? Je vais essayer, ouais. Et c'est parti pour le personnage de science-fiction de Brianna Lefebvre. Marc Atala, j'ai quoi comme super-pouvoir? Des écouteurs incroyables qui vous font écouter plein de choses que je ne connais pas. Génial. Marc Atala, je suis forcément issu d'une planète, d'une galaxie. C'est où, c'est quoi? La Terre, il y a tellement de gens bizarres. Et je dois bien avoir un arsenal, quelque chose. Un arsenal? Une arme. C'est pas un truc dans le dos, là, qui vous arrache la moitié du dos? Ça pourrait, mais vous n'avez pas de même au bas de votre pantalon? Oui, mais pas dans le dos. Ce qui fait que moi, je peux faire ça sans que ça me fasse mal. C'est pour ça que je me suis mise dans cette position. C'est ça. C'est aussi pour... Non, vos talons. Pré-années 50, comme ça, science-fiction années 50, c'est un sacré pouvoir. Ça peut le faire, alors? Ouais, ça peut le faire, ouais. Et si j'avais une espèce de Batmobile ou quelque chose, un engin avec... Vous voulez dire la voiture à Fred, hein? C'est ça, mais... Ouais, bien. En plus, vous êtes assortie, non? Oui. Non, c'est ça que je me déplace, en fait. Je pourrais pas me téléporter. Le problème, alors, si vous, alors, ça pourrait être marrant que vous téléportiez, mais ce qui serait drôle, c'est surtout qu'on n'arrive pas à se recomposer après. Vous voyez, c'est des trucs qui bug. Ça, vous téléportez, là, vous êtes là, et hop, à la fin, il n'y a que la moitié, par exemple. Ou bien que l'arbre secrète. Justement, j'allais vous demander mon espérance de vie, ou si j'étais immortelle. Immortelle, vous n'avez vraiment pas trouvé ça marrant, donc je pense que c'est mieux que vous viviez très très longtemps. Mm-hmm. Type un peu comme Dorian Gray, comme ça, vous vivez sans fin. Mais un jour, vous allez quand même mourir. Sinon, vous allez vous embêter, vous allez rester devant sur un canapé, regarder la télévision, ça ne va pas vous faire marrer. Ouais, c'est pas faux. Marc Atala, comme tout bon personnage de fiction, je dois bien avoir des ennemis, c'est qui ces connards? Avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, maman, je pense que c'est tous les terriens qui vous entourent qui aimeraient beaucoup que vous arrêtiez de mettre ce genre d'écouteurs et ce genre d'habits. Parce que justement, en général, tout ce qui est un peu bizarre, on essaie de le remettre. Alors, on a bien vu que dans la science-fiction, tous les extraterrestres, tout ça, eh ben, ils nous dérangent parce qu'ils sont différents. Donc en fait, vos ennemis, c'est à peu près la plupart de la population terrestre qui devrait commencer à vous faire flipper. Je me réjouis de débuter. J'ai un amoureux, une amoureuse? Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore là. Hein, parce que justement, vous essayez déjà de vous débattre avec tous les gens qui essaient de vous remettre dans le rang, comme ça. Mm-hmm. Et puis, il y a quelqu'un, peut-être même plusieurs, en fait, hein, qui a aussi les mêmes écouteurs que vous et qui se pose exactement les mêmes questions que vous, puis qui attend un peu dans son chemin du monde d'arriver à vous rencontrer. Je me réjouis si je la rencontre. Ah. Je pense que si vous lui donnez trop de conseils, je pense qu'on va commencer à avoir peur d'elle parce qu'elle aura tout ce qu'il faut. Je vous laisse, je vous tire. Merci, ouais. Marc. Mais merci à vous. C'est mon verre de vin. Bonsoir, Leïla. Bonsoir, Mini Marc. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Marie. Je vous ai servi un verre de vin blanc. Vous aviez dit que c'était l'heure de l'apéro, donc voilà. Merci beaucoup. Bon, Marc, quel plaisir pour moi d'entendre que cette semaine, pour ma deuxième chronique, j'avais le plaisir d'accueillir un invité hiverdonnois. Enfin, je vais pouvoir redorer le blason de cette ville si chère à mon cœur. Enfin, aux chiottes les amalgames sur les dealers, sur les criminels de notre ville. Allez-y plutôt, à l'amalgame justement, parce qu'on y écoute de la bonne musique. Enfin. C'est de la promotion, ça, je refuse. Est-ce que j'ai le droit de commencer ma chronique? Oui, vas-y. Voilà, merci. Et en même temps, Hiverdon bouge, il en est la preuve vivante. Donc, Marc, en 2008, sauf erreur, vous finissiez votre thèse à propos de la science-fiction. Moi, c'est l'âge où je commençais l'école de couture et derrière ma machine. Je ne sais pas si ça me permettra d'exposer un jour dans votre musée, mais en tout cas, je pense que je pourrais me permettre quelques conseils pour la prochaine présentation de collection d'exposition. Parce que bon, la cravate orange, la cravate rouge, la cravate verte, il y a un moment où... Bon, en même temps, je ne peux pas vous blâmer, hein, parce que ce béret, c'est un peu votre look, c'est un peu votre patte. Et puis, c'est comme ça qu'on se souvient de vous, parce que Marc sans béret, c'est un peu Marie comme ça, sans sa grande gueule, hein, je crois. Ouais, apparemment. Apparemment. En plus, c'est vous qui le dites. Voilà. Enfin, aujourd'hui, Marc, vous êtes arrivé à l'heure, vous arrivez... On se connaît, non? Et là, tu me tutoies. Bon, ben, je me le permets aussi ce soir. On va se tutoyer, je crois. Avec plaisir.
Tu me parles directement de ma maison, tu habites toujours là-haut, dans l'ancienne maison de tes parents. La chronique, c'est à propos de toi, hein, pas de moi. Donc je vais m'arrêter ici, mais je dirais juste que bientôt, on va être voisins. Et donc, tu me soulignes que tu bourgerais d'Yverdon pour rien au monde. Ça prouve qu'Yverdon, on en tombe amoureux. Mmh. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes venus. Amoureux et métier, ça se coordonnait bien. Ouais, dans mon cas, ouais. Voilà. Pas le temps de finir votre cigarette, ta cigarette, je vais me tuer. Oh, c'est voilà. Difficile au début. Et tu pars directement au maquillage, on te demande si tu vas garder ton béret. Ben oui, enfin, forcément, tu vas le garder. Tu enlèves ton pull et un t-shirt beige. Si une fois l'invité pouvait se permettre de mettre ce qu'il met d'habitude, ça m'arrangerait pour m'habiller pareil. J'ai quand même trouvé ce qui faisait l'affaire. En même temps, béret et lunettes, ça faisait l'affaire. J'ai l'air d'un vendeur des années 20. Voilà. Après, tu causes avec la maquilleuse, vous faites ami-ami, vous causez de vos amis, Anouch Abrar. Oui, t'es un peu people, tu connais tout le monde. On garde les contacts, on lâche rien. Et puis après, on t'appelle directement pour l'interrogatoire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps hein, chez Bicurious. Et puis, tu es soucieux de cet interrogatoire. Tu demandes si tu dois être honnête et sincère. Est-ce que tu peux être déconneur? Donc maintenant, je sais qu'en fait, t'as menti. Et puis ensuite, c'est fini. Moi, je suis en train d'écrire ma chronique et tu me dis, mais t'écris des romans comme ça tous les soirs? Donc en fait, j'ai même pas le temps d'écrire ma chronique puisque personne ne discute avec toi. Face à toi comme ça. Enfin, Fred arrive. Il commence enfin à discuter. J'ai de la matière. Il te dit, ah, l'exposition est bientôt finie. Non, elle est jusqu'au 31 janvier. Ça me rappelle juste que je l'ai pas vue. Chez mon ennemi, mais en même temps, à Yverdon, il y a tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Je commande pas ça non plus. Hein. J'y manquerai pas, j'ai encore une semaine. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, il te parle un peu de tes prochains projets, du musée, etc. Tu dis oui, mais en même temps, ça fait que 5 ans que je suis là. Au début, j'étais modeste, mais maintenant que le musée cartonne depuis 2 ans, tu l'es un peu moins. Voilà. Un peu moins. Donc maintenant, je vais finir avec mon petit gimmick. Je connaissais le super-héros Yverdonois, et ce soir, j'ai découvert le carriériste qui vise la lune, qui reste amical. En même temps, pour être curateur d'un musée, ça se marie bien. Santé, Marc. Santé, très bonne soirée. À toi aussi. Santé. Bon, Marc, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, ouais, j'imagine. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Je pourrais, ouais. Mais ce n'est pas le cas. J'ai passé un très bon moment. Et comme je le disais à je ne sais plus qui, j'ai adoré le cadre aussi dans lequel vous vous trouvez. Je trouve que vous êtes vous êtes le bienvenu. Vous venez nous voir quand vous voulez. C'est gentil. Merci à Fred pour l'invite, d'ailleurs. Et Marc, on va vous laisser le mot de la fin. Vous pouvez peut-être aussi profiter de raconter ce que vous allez faire, ce que vous allez proposer dans ces prochains mois. Un peu de promo, on a le droit. De quoi ? Un peu de promo, on a le droit. Un peu de promo, mais oui, pourquoi pas. Vous avez la caméra qui est là. Vous savez parler et je pense que vous savez quoi dire maintenant et on vous laisse terminer l'émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, donc j'ai quelques secondes pour vous dire plein de choses. Bon, alors ouais, alors pour la partie promo, une expo robot jusqu'au 31 janvier et puis ensuite une nouvelle exposition qui commence le 21 février, vernissage le 20 février dès 17h à Yverdon, c'est gratuit, il y a à manger et il y a à boire, c'est aussi gratuit. Plus sérieusement, j'aimerais dire à ceux qui sont jamais venus à la maison d'ailleurs de venir nous trouver, de m'appeler parce que je descends souvent à dire bonjour aux gens, parce que je crois que maintenant on a la chance de pouvoir avoir un musée à Yverdon qui bouge avec beaucoup d'autres institutions. Et puis on a envie, enfin moi en tout cas, j'ai envie de faire des questions, de poser des questions aux gens, et puis que les gens me fassent part de leurs réponses, puis de faire un peu bouger tout ça, quoi, d'être un peu curieux. Alors merci Bicurious pour tout, et en tout cas je vous rejoins sur ce point-là, soyons curieux.